L'écrivain britannique et vulgarisateur de philosophie orientale Alan Watts a dit un jour « On est beaucoup moins anxieux si on se sent parfaitement libre d'être anxieux. » L'anxiété peut souvent prendre la forme d'un cercle vicieux d'émotions négatives. Un élément déclencheur dans notre environnement engendre une réaction en chaîne d'inquiétude et de panique. Nous sommes préoccupés par un événement à venir et notre réaction à cette préoccupation crée une accumulation dans notre esprit. C'est là que Watts voulait en venir. Si nous pouvons apprendre à mieux accepter les sentiments d'anxiété en les observant comme une réaction naturelle au déclencheur, nous pouvons commencer à tuer ce cercle vicieux dans l'œuf, avant que la réaction négative ne devienne disproportionnée par rapport à sa cause. Cela reflète la philosophie bouddhiste qui enseigne que la véritable cause de la souffrance est notre attachement à nos désirs et à nos aversions. Notre tendance à rechercher la positivité et à repousser la négativité. La méditation nous aide à devenir plus conscients de nos pensées et de nos sentiments, et, comme l'a dit Watts, à devenir beaucoup moins anxieux en devenant parfaitement libre d'être anxieux. Commençons la séance d'aujourd'hui. Respirez profondément quelques instants. Remarquez les sensations de la gravité et la pression de votre corps sur le siège. Maintenant, ramenez votre attention sur la respiration, en observant le rythme de l'air qui pénètre puis quitte votre corps. Suivez la respiration de près. Rappelez-vous qu'il est normal d'être distrait par des pensées. Il suffit de les observer et de revenir à la respiration. Observez très clairement chaque respiration à partir du moment où elle apparaît. N'essayez pas de repousser les pensées.
Contentez-vous de les observer brièvement et revenez à l'observation de la respiration. Pendant les derniers instants de la séance, détendez-vous avec une conscience ouverte de tout ce qui se présente. Pensées, sentiments, odeurs, sons, sensations. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. On se revoit bientôt.